Un modèle extraordinaire, ils ont eu la puce à l'oreille. La puce à l'oreille, ce sont des balados qui sont destinés aux jeunes. La puce à l'oreille. Pour comprendre d'où viennent nos poils, remontons aux premiers humains qui ont peuplé notre Terre. Alors, on a fait beaucoup d'écoute active de la puce à l'oreille et là, on a dit, pour que ça soit plaisant, il faut qu'il y ait des sons. Il y a de la musique en arrière-plan. Alors, pourquoi nous, nos balados, ne seraient pas comme ça aussi? Donc, les élèves ont eu à aller chercher des sons libres de droit sur le site Internet FreeSound. Donc, ils ont sélectionné des sons qu'ils avaient envie d'intégrer à leur balado pour que ça soit plus vivant. On choisit des sons. Donc, quand on a des mots où on peut faire un son avec, ben là, on va sur FreeSound, puis on choisit quels sons on veut mettre. Comme des sons de cloche, des sons de clavier, des sons comme ça.